suis responsable artistique de la compagnie La Baleine Cargo, qui est une compagnie implantée à La Rochelle. C'est une compagnie qui défend le texte dans l'espace public. Nous, on travaille dans les arts de la rue. Alors, moi, je m'appelle Karine Carmin. Je suis chorégraphe, danseuse, comédienne et auteur aussi dans l'espace public. Je dirige la compagnie Mastoc, anciennement Mastoc Productions. C'est notre deuxième collaboration ensemble. Et voilà, Françoise me fait venir pour travailler autour du mouvement dans l'espace, autour de la chorégraphie. Alors, La Baleine Cargo, c'est une compagnie qui existe depuis 2007. On a 7 créations à notre actif. C'est toujours des spectacles intimistes avec une scénographie massive, ce qui est assez paradoxal. En fait, la plupart de nos spectacles, même tous, je peux dire, cherchent à interroger la place de chacun dans le monde. Et je crois qu'on travaille vraiment avec ce sous-bassement-là. On a créé 10 000 pas sans amour, qui est un spectacle qui interrogeait les relations femmes-hommes et la question de la violence, voilà. Donc on est à chaque fois dans un engagement, on a fait un jeune public sur la question de la différence qui s'appelle Poulette-Crevette. Et puis le dernier spectacle sur lequel on a collaboré avec Karine s'appelait Je cherche un homme, qui s'inspirait en fait du philosophe grec antique Diogène, qui cherchait un homme, une lanterne à la main, dans la foule en plein jour. Et tout le monde disait, mais il y en a plein des hommes. Il disait, mais non, moi je cherche un homme, un vrai. Cette question de c'est quoi être humain aujourd'hui et dans quel monde on vit et quel avenir on s'invente ensemble. Montagne, c'est clairement un spectacle qui va parler du monde du handicap et de l'accessibilité dans l'espace public, mais qui parle en fait de tous les laissés pour compte ou tous les gens pour qui on n'a pas pensé le monde. Voilà. Il y a un moment, un des fauteuils, puisqu'on a des fauteuils qui sont sonorisés, qui dit il n'y a pas de monde, quoi. Il n'y a pas de monde, un monde pour les valides, un monde pour les handicapés. En fait, on vit tous dans le même monde, simplement. Par qui est-il pensé et à qui laisse-t-on la place, voilà. Le défi aussi, c'était de travailler avec Philippe qui est en fauteuil et de voir comment amener un mouvement juste avec lui et d'amener aussi la beauté et son rapport du coup avec son fauteuil qui fait partie de lui. Sur ce projet, par exemple, aucun des artistes qui font partie du projet ne sont danseurs. Faire danser des corps différents. Voilà, qui ne sont pas filiformes ou qui ne sont pas tenues comme devrait être le corps d'un danseur. Et comment on travaille avec cette humanité-là, parce que c'est vraiment un spectacle sur l'humain, là. J'ai travaillé en immersion dans des institutions, que ce soit l'hôpital psychiatrique de La Rochelle, que ce soit des IME, que ce soit des foyers APF, des foyers médicalisés, et interviewé beaucoup de personnes. Et finalement, ce spectacle, c'est aussi un docu-fiction, c'est-à-dire qu'il est nourri de tous ces témoignages réellement dans l'écriture, et chaque fauteuil, on a une vingtaine de fauteuils roulants sonorisés, a sa propre histoire et son propre récit qu'il va livrer à la fin du spectacle au public qui pourra se promener sur une installation. J'adore bosser avec des non-danseurs, j'adore bosser avec des comédiens qui forcément n'ont pas la même physicalité que des danseurs et d'aller chercher leur singularité et voilà, la petite pépite chez eux qui va faire que ça va vers la grâce en effet. Oui. Et c'est ça qui est beau et du coup cette fragilité qui est en même temps hyper touchante et trouver la force dans cette fragilité. C'est un spectacle qui va bouger, puisqu'on va vivre en direct ce que c'est que l'accessibilité dans la ville. Donc on va partir d'un point A et on va traverser une rue avec tous ces empêchements et toutes ces facilitations aussi, hein, et pour arriver à un point B. Moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est ça, c'est comment on va tester sans public. Nous, dans la rue, on en a encore plus besoin, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans la rue, on est en regard direct avec le public, on est les yeux dans les yeux, et donc on a besoin de s'essayer. Ici, on a des conditions vraiment d'accueil extrêmement professionnelles. Ça permet aussi de travailler le détail, ça permet d'affiner le travail du jeu, dans la précision, du geste, de la parole. Cette semaine, pour nous, elle est infiniment précieuse, parce que Karine est avec nous tous les jours, et donc l'objectif, c'est travailler les chorégraphies et les corps dans l'espace. C'est vraiment l'enjeu. L'objectif, c'est vraiment à la fin de la semaine d'avoir bouclé tous les moments chorégraphiques, par exemple. Voilà. Voilà. Okay. Mais on bosse bien ensemble. Ouais, c'est un c'est bonheur. Cool. Lui, sa montagne, c'est qu'il est né sourd. Et pendant les premières années de sa vie, personne ne le savait, même pas lui.
Ce n'est que vers ses 3-4 ans que ses parents, voyant qu'il ne parlait pas, se sont dit « on va faire des examens ». Et là, ça a été un choc. Il ne savait pas quoi faire. Alors le premier réflexe, ça a été de le soigner. Il a eu tout de suite des appareils, des séances d'orthophonie, 3 fois par semaine pendant des années et des années, former les mots, reconnaître les sons, les bruits. La résidence s'est vraiment bien passée, on a vraiment bien avancé, plus que ce qu'on imaginait d'ailleurs. Tout l'enjeu de cette semaine, c'était le travail chorégraphique avec Karine. Et là, on a vraiment, en tout cas, dépassé mes espérances en termes d'efficacité, de beauté. Moi, je suis très contente de ce travail. Quelque chose a jailli cette semaine qui n'était pas du tout attendu, pas prévu. Wilfried Hildebrand, qui est le compositeur de la musique, et nous a rejoint lundi. Là, il avait fini son travail, il dit « j'ai pensé à vous ». Et ce matin, en me levant, j'ai enregistré un petit morceau au piano pour vous. Et Karine a eu envie de créer un solo qui vient à un moment qui n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on a le tas de fauteuils roulant comme un tas de déchets dans un coin pendant un moment du spectacle. Mmh. Et ce tas de fauteuils va se déplier, les comédiens vont remettre les fauteuils sur roues pour leur redonner une place et une dignité, voilà, symboliquement c'est fort. Et à la fin de ce déploiement des fauteuils, le public se retrouve face à 20 fauteuils roulant vide qui les regarde, ce qui n'est pas rien, c'est une image extrêmement forte. Et Philippe entame un solo magnifique sur la musique que Wilfried a composée le matin en pensant à nous. J'avais envie de le mettre en valeur dans l'espace, dans le mouvement, dans la beauté du geste, le petit mouvement et qui devient grand, en plus enveloppé par la voix de Sissou. En fait, c'était c'était une semaine extrêmement intense. De toute façon, le travail au plateau remet toujours en question les écritures, mais là, en l'occurrence, ça a été assez, assez radical, on va dire. Voilà. Alors, on a un gros morceau à travailler qu'on n'a absolument pas travaillé encore. C'est le travail de déambulation dans la rue, qu'on va travailler au Théâtre Libournia à Libourne, enfin dans les rues de Libourne, les rues commerçantes, pour essayer de mettre en place ce parcours avec le public du point A au point B dont j'ai déjà parlé. On a d'autres semaines de résidence pour aboutir à la création, la première qui aura lieu à Fête-le-Pont. C'est un festival qui est organisé par le Centre national des arts de la rue de La Rochelle et c'est le 28 et 29 mai. Donc on sera dans les rues de La Rochelle, j'espère, si les conditions sanitaires le permettent. Et on présentera cette première de Ma Montagne avec un groupe d'amateurs du coin avec qui on a déjà travaillé. Mm-hmm.